mais c'est le principe qui m'agace. Pas le temps pour les principes. J'ai besoin que tu sois mes yeux et que tu surveilles Kevin. Waouh, t'es loin derrière lui. Oh, je vous en prie. Mais c'est pas vrai, Glitch. Tu conduis trop poliment. Excuse-moi, Ben, mais je n'ai pas un instinct de tueur. Je connais quelques aliens qui en ont un. Rappelle-toi, quoi que tu fasses, pas de texto en conduisant. Ça risque pas d'arriver, Vin. Je suis la voiture. Oh, les jeunes et toute votre technologie. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Salut, Vin. Qu'est-ce que tu penses de ma voiture? Elle doit bien avoir 2 milliards de chevaux sous le capot. En tout cas, toi, t'as du culot sous le capot. C'est une course de charité. Eh, toute cette sécurité, ça me rend dingue. À quoi ça sert d'avoir une super voiture si on peut pas s'amuser un peu? Oh, oh là! Oh là! Mais qu'est-ce que tu fais? Je rends les choses plus intéressantes. Qu'est-ce que t'as fait à ma voiture? Non! Non, mais... Oh! Oui, arrête! Oh! Ben, Kevin tire des missiles sur moi. Ah bah oui, ça t'a remarqué. Mais est-ce que t'as remarqué que les autres personnes sur le circuit étaient en danger? Oh, mais c'est pas vrai! Voilà, ça c'est une course. Oh, les ronrons, ça commençait à m'ennuyer. Mais lancer des missiles sur des pilotes non entraînés, c'est inconscient. Qu'est-ce que je t'ai dit? Seulement sur les voitures blindées. Ah, oh bah alors ça, c'est pas bon. Je vais te faire quitter la route, Téniso. Mais qu'est-ce que tu sais, vieillard? Vieillard? Personne, j'ai bien dit personne, ne sert de ma voiture pour tricher. Ben, rentre au stand, il faut qu'on parle. Bien joué, Ben. Tu as brisé le duo Vin et Kevin. Et vous avez aussi failli détruire tout le circuit. Tu as eu ce que tu voulais. Gwen, t'as raison. Je suis désolée. J'avais tellement envie d'arrêter Kevin que j'ai gâché toute la course pour tout le monde. Et je t'ai privé de l'occasion de participer à la course. Je voulais juste te dire... Je vais prendre le buggy et essayer de rattraper Ben. Peut-être que je peux trouver un moyen de les raisonner. Bonjour, Gwen. C'est toujours un plaisir de t'avoir à bord. Bonne chance, ma puce. Prépare-toi à subir la colère de Blankalosaur. Oh, regarde, Félix. Un joli chaton. Un chaton? Un chaton? Mais je suis allergique au chaton. Transformation initiée. Alors arrêtez Kevin avant qu'il blesse quelqu'un. Blankalosaur adore ce plan. Je ne te laisserai pas tricher dans une course à la loyale avec ma voiture. Tu peux pas m'empêcher de faire quoi que ce soit, c'est moi qui commande. Oh non, pas dans ma voiture. Non mais tu plaisantes, Vin. C'est moi la voiture. Garde la voiture, Blankalosaur va aller régler son compte à Bootsneck. C'est pas toi qui me déçois, Kevin, mais ce sont les choix que tu fais. Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Si tu as un problème à régler, laisse les autres en dehors. Je te préviens, quand ta montre s'arrêtera, on aura une très grande discussion sur le fair-play. Attends, tu sais que c'est quand même ma voiture, non? Cette stupide course ne m'intéresse même plus. Maintenant, c'est personnel.